Hello les amis, eh bien écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une carte, une seule carte. Alors cette carte elle est un peu particulière, comme vous pouvez le voir, c'est Obnixilis, l'adversaire. Donc c'est une carte extra de l'édition de cartes Les Rues de la Nouvelle Capena. Donc c'est une mythique extra qui est cotée à plus de 30 euros les amis. Donc je voulais vous parler de cette carte parce que et vous faire découvrir ses effets. Parce que je trouvais intéressant, vu la cotation, de pouvoir discuter de cette carte qui est quasiment l'une des plus cotées. Il y a aussi une version, une autre version d'Obnixilis dans cette édition, qui est même cotée à plus de 150 euros, il me semble. Voilà, donc là, c'était plutôt intéressant d'en parler. Alors, cette carte-là, elle a un coût de 3 mana, dont un noir et un rouge, et elle a 3 points de vie ou 3 boucliers. Donc, c'est un Planeswalker légendaire qui s'appelle Nixilis. Alors, ses effets, victime X, la copie n'est pas légendaire et elle a une loyauté de départ de X. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force X. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort. La copie devient un jeton. Enfin, je vais même la rapprocher un peu plus. Pour plus 1, chaque adversaire perd 2 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Si vous contrôlez un démon ou un diable, vous gagnez 2 points de vie. Pour moins 2, créez un jeton de créature 1-1 rouge diable avec quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour moins 7, un joueur ciblé pioche 7 cartes et perd 7 points de vie. Donc voilà les amis, c'est une super carte qui a énormément d'effets que vous pouvez jouer dans un deck multicolore noir et rouge. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant avec des effets qui sont quand même... qui sont quand même pas mal et ouais, c'est pour ça aussi que cette version extra est encore plus recherchée. C'est une mythique bien sûr, donc déjà les mythiques sont plus compliqués à trouver. Cette version extra est plus recherchée et c'est vrai que quand vous voyez pour moins 7 un joueur ciblé pioche 7 cartes, c'est-à-dire que, et perd 7 points de vie, là vous pouvez ben, tout simplement soit votre adversaire a 7 points de vie et moins et vous, le, ben, vous gagnez la partie. Soit éventuellement vous avez des points de vie mais vous avez une mauvaise main, vous pouvez aussi récupérer cette autre carte pour changer le combat. Donc voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.